Genèse chapitre 1 au verset 25. Je vais dans Genèse chapitre 1 verset 25. Bible à la colombe. Il est dit, Loba fit les animaux de la terre selon leurs espèces. Virgule. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles. Et tous les reptiles du sol. Maintenant, on finit d'abord les reptiles qui ont été créés dans les océans, dans la mer. Et on va maintenant, on touche les deuxième sortes de reptiles, les deuxième sortes de dragons. Ces dragons terrestres maintenant. Parce qu'il y a le dragon, premièrement. Bon, là, il y a d'abord un dragon spirituel. On va parler de ça plus tard. Mais dans le plan physique, il y a le dragon marin, c'est-à-dire le serpent marin. C'est celui qu'on vient de décrire. Et ensuite, maintenant, dans Genèse chapitre 1, verset 25, il est question du serpent terrestre. Donc, Dieu, c'est-à-dire Dieu, Loba, fit les animaux de la terre selon les espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol. C'est pour ça qu'on précise les reptiles du sol. Selon les espèces, Dieu vit que cela était bon. Traduction Abbé Filion. Les reptiles, virgule, selon son espèce. Les reptiles selon son espèce. Bon, vous devez comprendre qu'il y avait des reptiles terrestres, c'est-à-dire du sol, qui pouvaient marcher, qui marchaient sur le sol. Et ils ne rampaient pas, tous les reptiles avant ne rampaient pas comme actuellement. Avant la chute, il n'y avait aucun reptile qui rampait. C'est-à-dire qu'il dit ramper, c'est même s'ils marchaient, ils avaient des pattes. Ils avaient des pattes, dans d'autres versions, il est dit ils avaient des pieds, ils avaient des pattes. Mais après la chute, on les a enlevés à certains reptiles, on les a enlevés cette capacité. C'est les serpents que vous voyez qui rampent maintenant par les ventres, ainsi de suite. Bon, et on va vous montrer maintenant qu'il existe plusieurs espèces. Il existait plusieurs espèces de reptiles, des reptiles terrestres, c'est-à-dire du sol, qui avaient la capacité de se déplacer sur le sol avec les pattes, avec les pieds. Tandis qu'il y avait des reptiles volants, vous voyez, des dragons qui pouvaient aussi voler dans les airs. Pour ça, on va dans Lévitique, Lévitique chapitre 11 au verset 23, qui dit ceci dans la Bible, 8 secondes 1910. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent. Vous voyez, vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Et qui ont quatre pieds. Bon. Genèse chapitre 3 au verset 1. Genèse chapitre 3 verset 1. Et parmi les reptiles du sol vous devez comprendre que parmi ces reptiles du sol, le serpent qui a séduit Moto, c'est-à-dire Mouto, et Mouto allait séduire Moto, ce serpent-là ne faisait pas partie du serpent marin. C'était un serpent terrestre, mais qui avait la capacité de voler dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Ce serpent-là avait la capacité de voler dans les airs. On va vous montrer le pourquoi je dis cela. Donc, on va localiser le serpent, l'un des serpents terrestres. Et ce serpent-là, c'est un grand dragon, pour ceux qui ne savent pas. Donc, la femme, la première femme, Ève, c'est-à-dire Mouto, avait été séduite, pas par un petit serpent, pas par un anaconda ou un boa ou un python, c'était par un grand dragon, serpent, un immense dragon qui a séduit Ève. Donc, vous voyez l'importance de ce dragon, la puissance que ce dragon avait déjà au premier jour. On vous dit dans Genèse chapitre 3 au verset 1, Genèse chapitre 3 verset 1, Bible du rabbinat français à d'autres camps, le serpent était rusé, virgule, plus qu'aucun des animaux terrestres que Loba avait fait. On vous dit ici là que ce serpent-là terrestre était le plus rusé de tous les autres animaux qui foulaient le sol là. Vous voyez, mais il n'est pas question, il n'est pas dit ici que ce serpent-là était plus rusé même puisque les animaux qui vivaient dans les océans, qui vivaient dans la mer. Vous voyez, mais vous allez comprendre qu'avant ce serpent qui était rusé parmi tous les animaux, dans d'autres versions les animaux des champs, dans d'autres versions les animaux sauvages, ce serpent terrestre avait d'autres, il y avait d'autres serpents qui étaient plus rusés que lui, qui étaient plus puissants que lui, plus intelligents que lui.